Félix le chat, il est la boue. Y'a le savant et le professeur et le maître cylindre aussi. Si venez donc tromper votre ennui, oh oui. C'est Félix le chat, il est là pour vous. C'est Félix le chat, il est là pour vous. Magasin général vente d'or. Qu'est-ce qui se passe là-dedans, patron? C'est quelqu'un qui a trouvé de l'or, qui le vend et qui fait une fortune. Mais que vois-je, c'est Félix. À sa mine, je vois qu'il doit posséder une mine d'or. Oh, la vue de toute cette richesse me fait bouillir la matière grise. C'est une chose insupportable. Écoute ça. Sur l'homme pèse un anathème, sans goût immodéré de l'or. Jeunes et vieux, ah, comme ils l'aiment, ils en redemandent encore. De cette maladie terrible, si quelqu'un voulait me guérir, c'est dans des souffrances horribles que moi, je le ferais mourir. Voici Félix qui s'en va. Je me demande bien où il peut se rendre. Il nous faut tirer ça au clair. Réfléchissons, méditons, cogitons, raisonnons, imaginons. Une pleutre tombante. La pleutre tombante est complètement tombée. Petit sac magique. Ah, mon petit nuage protecteur. Tiens-toi tranquille, Rocky. Arrête-toi de respirer. Bah, je vois cet affreux Félix. J'ai compris. La mine d'or est au sommet de cette aiguille. Maintenant, tu peux respirer. Je me demande comment ça peut fonctionner. Ça y est, j'ai trouvé. Monte le premier. D'accord. Merci, patron. Ah, tu es un poids lourd. J'y vais, moi. Ça ne veut plus marcher, on dirait, patron. Il doit y avoir un autre moyen de grimper là-haut. Exactement du calibre de cette pièce d'artillerie. Ça, c'est un genre de travail pour un spécialiste. Thank you.
chargé. Commandant de batterie au chef de pièce. Angle de tir 57 degrés. Objectif, le sommet de l'aiguille rocheuse où Félix le chasse à Minidor. Compris? Compris, commandant. Bien, vous pouvez commencer le compte à rebours. 10, 9, 8... Et qu'est-ce qui vient après 8, patron? 7, imbécile! 7, imbécile! 6, 4, 5, 2, 1... Hé, hey, je suis là, professeur! Très bien, Rocky, maintenant réfléchissons un peu. Et j'y pense tout à coup. Est-ce que tu n'as pas travaillé dans un cirque? Oh oui, et j'ai justement cette photo sur moi en souvenir. Un funambule. Tu es exactement l'homme qu'il me faut. Ah oui? Allez, viens. Nous avons du travail devant nous. Je suis prêt, patron. En route pour le sommet. Hourra! Je suis sauvé! On a l'impression de voler, hein, patron? Mais nous volons! C'était sa mine d'or. Et ce n'est qu'une figure de rhétorique, pauvre imbécile. Vous voulez dire qu'on va lui casser la figure? Mais non, crétin épanoui, tout ce que nous voulons, c'est atteindre sa mine d'or. Cette fois, je crois que j'ai compris. Attention, voilà notre Félix qui arrive. Cache-toi derrière cet écriteau. Je suis le shérif responsable de toute la région. Mais en réalité, je suis le professeur. Et Félix ne me reconnaîtra jamais. Vous êtes en état d'arrestation. Sous quel chef d'accusation? Le seul chef ici, c'est moi. Et tout se courbe sous mon autorité. Qu'y a-t-il dans ce sac? De l'or. Ah, vraiment? Donnez-moi ça. Voilà. De la nourriture pour les poulets. Deuxième shérif. Me voici, chef, je suis à vos ordres. Prenez en charge ce prisonnier et conduisez-le en haute cour. Tout de suite, chéri. Aujourd'hui, séance du tribunal. Oh, on juge beaucoup de monde. Ces messieurs de la haute cour doivent être fatigués à la fin de la journée. Messieurs la cour. Prisonnier. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Je ne suis coupable de rien du tout, mon président. Mensonge, les choses étant ce qu'elles sont, tout le monde est coupable de quelque chose. Écoutez bien, chacun de nous commet un crime hier, aujourd'hui ou demain.
Il est terrible ou bien minime, aucun n'échappe à son destin. Le châtiment répond au crime, comme au désordre la raison. Et la cour, toujours magnanime... vous met 30 jours en prison. Et je sens un courant d'air glacial. Mais c'est le professeur! Oui, qu'est-ce que ça peut vous faire? Deuxième shérif, mettez-moi Félix en prison, je me sens devenir fou de rage! Cette fois, vous pouvez être sûr d'atteindre la mine de Félix. Oui, mais tu progresses trop lentement, imbécile. Il faut nous dépêcher. C'est pas le moment de jouer au petit jeu. C'est à lui qu'il faut dire ça. Oh, regardez, patron. Ce sont des œufs d'aigle. Peut-être que c'est un raccourci pour la mine d'or.
Félix le chat, il est la boue. Il y a le savant et le professeur et le maître cylindre aussi. Si venez donc tromper votre ennui, oh oui, oui, c'est de la vraie folie. Venez devant la télévision pour le plus merveilleux choix que vous ayez vu. Il vous mijote un joli coup. C'est Félix le chat, il est là pour vous. C'est Félix le chat, il est là pour vous. J'ai laissé tomber une bouteille. Qu'est-ce que tu voulais faire? Eh bien, j'essayais de mettre un peu d'ordre là-dedans. Ce laboratoire est une vaste pagaille. Je le sais. Nous aurions besoin d'un homme de peine ici. Tiens, tu mettras ça à la fenêtre. Et voyons voir, on demande un homme de peine. D'accord, Félix, je te prends chez moi. Laisse-moi te débarrasser de ton sac. Non, j'ai mon casse-croûte dedans. Très bien, commence par laver toutes ces bouteilles et rapidement. Oui, et tâche de ne pas en casser. Pendant 128 jours, j'ai essayé de mettre la main sur ce sac. Et maintenant... Je le prendrai pour vous, patron. Si tu veux, mais fais bien attention, ce sac est plein de malice. Non! Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est rien du tout. Occupe-toi de ton travail. C'est l'heure du bon miam-miam. Je suis idiot, patron. Et vous, intelligent, mais pourquoi voulez-vous ce sac puisqu'il n'y a que Félix qui sache s'en servir? Tu as raison. Si seulement je pouvais jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il me pousse une idée géniale. Qu'est-ce que c'est que ça, patron? C'est de la lumière liquide. De la lumière liquide? Oui. Le sac de Félix est entrouvert. Tu verseras ça à l'intérieur. Et alors, je pourrai voir comment ça fonctionne. Mais il faut détourner l'attention de Félix. Félix, mon ami, je voulais te dire quelque chose. Oh, c'est un verre d'eau fraîche pour moi? Merci, Rocky. Mais je suis en train de disparaître. Oui, exactement comme l'homme invisible. C'est pourtant limpide, c'est même très clair. Tu es devenu transparent. Oh non! Je n'y comprends plus rien du tout, professeur. Pourquoi suis-je devenu transparent? Parce que tu as bu de ma lumière liquide, c'est tout simple. Oui, et maintenant tu vois, je vois à travers toi. Je le ferai à condition que tu fasses quelque chose pour moi. Hein? Montre-moi tous les secrets de ton fameux petit sac magique. Non, jamais! À ton aise, tête de mule, alors débrouille-toi tout seul. Oh,
personne ne franchira cette porte à moins de me passer sur le corps. Cher patron adoré, au secours! Tout le monde me passe au travers! Cher patron, venez vite me sauver, il me prend pour un beefsteak. Tu es ridicule, il ne s'agit que d'une pure illusion, je vais arranger ça. C'est peut-être une illusion, mais il y a un os, ce molosse et colosse. Ce molosse devient de plus en plus grand. Oh non! Félix, au secours! Vous m'avez appelé? Félix, rappelle immédiatement ce monstre, tu n'as pas le droit de faire ça. Oui, et votre lumière liquide, vous aviez le droit de faire ça? Rappelle cet affreux matou et ensuite je te solidifierai. D'accord, mais tâchez de faire vite. Qu'est-ce que c'est encore? C'est de l'obscurité liquide. Avale ça. De l'obscurité liquide? J'espère que ça n'est pas mauvais. Voilà, je t'ai redonné ton état normal. Tu es beau maintenant, un vrai chat. Allons, débarrasse-nous de ce monstre. Tout de suite. La réalité dépasse la fiction. Au revoir, bête monstrueuse. Oh, toutes ces émotions m'ont épuisé. Vous partez déjà? Restez donc avec nous. Un verre d'eau. Tenez, buvez ça, mon pauvre petit patron adoré. Mais où suis-je? Je n'ai plus de main. Quand? Je ne vois plus non plus votre tête. Oh, qui imbécile heureux, tu m'as donné à boire la lumière liquide. Et alors? Moi aussi, je l'ai bu, votre mixture. Une crise cardiaque. Et de tomber foudroyé, voilà qui serait vraiment bien dommage. Il faut absolument que je m'échappe, ces deux voyous veulent ma mort. La fenêtre! Horreur! Je l'ai tout à l'heure clouée de l'extérieur. Fait comme un rat. Si seulement j'avais mon cher petit sac magique. Mais j'y pense, il est en haut dans la chambre. Hein? En grimpant le long de ce tuyau, je pourrais peut-être l'atteindre. Une lumière. La lampe pilote, mon
Je commence à trouver le temps long. Félix n'en finit pas de rentrer à la maison. Tu n'as aucune patience, mon pauvre Rockin. Finira bien par rentrer chez lui. Peut-être, mais en attendant, moi j'ai froid aux pieds. Le cadran de réglage de la chaudière est ici. Pousse un tout petit peu l'aiguille. Oui, patron. Excusez-moi, patron, mais j'en ai assez, plus qu'assez de rester là à attendre Félix. Et moi donc, tu crois que ça m'amuse? Je suis là, coincée dans ma chaudière, avec la chaleur poussée au maximum, et Rocky la brute et le professeur m'attendent menaçant dans mon entrée. Il faut que je m'échappe avant de mourir brûlée. Je ne réussirai que si je mets la main sur mon joli petit sac magique. Voilà la chambre, là. Et mon cher petit sac magique sur la commode. Et la grille est fermée. Je suis fait comme deux rats. Peut-être que Félix est déjà dans son lit en train de dormir. Le mieux est d'y aller voir. Emporte le matériel. Entendu, patron. Oh, oh. Regarde, Rocky, sur la commode, le fameux petit sac magique. Quand je pense que je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner pour mon usage personnel. C'est vrai, patron. Je vais essayer. Inutile, Rocky, tu perds ton temps. Seul Félix connaît la formule secrète pour en faire ce qu'il veut. Rocky, tu as une intelligence supérieure. Tu as trouvé le secret du sac magique. Oui, mais j'ai peur. J'aimerais bien que Félix vienne. Félix. C'est gentil de venir nous dire un petit bonjour. Vous souhaitiez tous les deux m'avoir. Bon, et après? Une seconde, mon petit Félix. Ne nous énervons pas. Nous sommes venus en amis. Inutile, pas de baratin. Je sais que vous êtes recherché par le FBI et que je... Les toutes dernières nouvelles. Les ennemis publics numéro 1 et 2 ont été capturés par le FBI aujourd'hui. Les coupables seront jugés sous peu. Donc, logiquement, vous êtes innocent? Mais pour moi, ce n'est tout de même pas très clair. C'est simple comme bonjour, mon ami. Nous sommes venus en amis et nous voulons être amis. Ben voyons, ça crève les yeux. Mais on n'a même pas de table où la poser, cette bébête. Je vais vous en donner une tout de suite. Nous y arrivons, le fameux sac magique. Et voilà. J'y vais. N'est-ce pas, petit Victor? Oui, en personne. Bonjour, monsieur Félix. Vous vous rappelez, je pense, Martial le Martien. Comment allez-vous, mon cher Félix? Soyez le bienvenu, mon cher Le Fontaine. Bon anniversaire, mon cher Félix. Hurrah, hurrah, Félix. Tous mes voeux, Félix. C'est mon anniversaire. Je l'avais complètement oublié. Merci.
Félix le chat, il est la boue. D'arriver. Je suis venu dans ce pays pour faire valoir mes droits. Entrez, je vous en prie. Je suis venu revendiquer une riche concession que mon frère m'a laissée et que je tiens absolument à récupérer. Une riche concession que son frère lui a laissée? S'il croit qu'on le laissera faire, ce moustachu-là. Donc, c'est à vous que je confie le soin de récupérer ma concession. J'ai ouï dire qu'elle renfermait le fameux 2X4. Vous êtes sûr? Oui, et cela fera de moi l'homme le plus célèbre, le plus envié, le plus riche du monde. Du monde, vous entendez? Oui, bien sûr, à condition qu'on n'y arrive pas avant. Tenez, regardez, voici la carte. Le pays est très accidenté. Mieux vaut que je parte seule, je pense. Faites, mais je vous suivrai à courte distance. Voyons, voyons, un vieux puits mexicain. Un vieux puits mexicain. Oh là là, que c'est loin, misère. J'ai mal à mes pauvres pieds. Bon, me voilà au vieux puits mexicain. Et maintenant... je vois, il faut que j'aille par là. Regarde bien où il va, Rock, que nous n'ayons qu'à le suivre. Oh, voilà un fer à cheval. Par-dessus l'épaule gauche, il suffit de le jeter pour avoir de la chance pour toute la journée. Cette fois. Bonjour, Madame Lascaux. Un bien joli bébé peau rouge que vous portez sur votre dos. Pauvre, pauvre, pauvre idiot. Alors qu'il est, Félix a certainement trouvé ma concession. Il faut que je me dépêche. Malin, malin et demi. C'est la loi de la jungle. Sur une longueur de 300 pieds vers l'est. Nous allons mesurer. Ça y est, vous avez bien mesuré? Alors, rembobinons la bobine. Maintenant pour la seconde centaine. Vous avez bien mesuré? Bien, re-rembobinons la bobinette. Ah, bah, 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 bah,
Nous allons attendre Félix. Il est obligé de passer par ici. Ah! Excellent travail, mon petit Rocky. Tu as refoulé le buffle. Je trouve que ça sent le gaz. Et je faisais de la lumière. Enfin, j'ai trouvé la fameuse concession. Tu veux dire que c'est ça, la concession du sieur Pierre Boustèche? Oui, elle a une immense valeur. Une immense valeur? Elle ne vaut pas un clou, tu veux dire? Mais Félix, tu vois bien que c'est uniquement de la boue. Oui, messieurs, mais quelle boue! La plus belle, la meilleure des boues. Pour toi, j'ai traversé plus de la moitié du monde, sombre boue, pour venir me tremper dans ton onde. Après ce bain de boue, je devrais être le plus beau gars du monde. Hollywood, me voici. Là est incontestablement mon chef-d'œuvre. Oh, en effet, patron. Tout le monde sait bien que vous êtes un artiste. Fiche-moi le corps d'ici. Hé, patron, Félix se fait interviewer à la télévision. Par la police, du moins, je l'espère. Et non, il raconte un tas de balivernes sur ces fameux oiseaux. Ça ne m'étonne pas, il est toujours prêt à faire le malin. Vous pouvez le constater, j'ai réuni une collection d'oiseaux exotiques venus de tous les coins du monde. Eh bien, Félix, j'aimerais que vous me montriez les spécimens les plus rares. Eh bien, voici un magnifique pélican haute fidélité présentant son disque préféré. Félix the cat, the wonderful, wonderful cat. Bravo, 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 tous mes compliments, Félix. Maintenant, je vous présente une de mes pensionnaires favorites, la réincarnation de Madame de Tape sous la forme volatile. Allez-y, cher Pythonis, montrez-nous l'avenir de votre maître Félix dans le pur écrin de votre œuf de cristal. Ça, c'est drôle, mon chouette. Voilà qui est très intéressant. Avez-vous un animal encore plus étrange? Mais oui, certainement. J'ai le fameux oiseau à bijoux. Voici un portrait de lui. Tous les jours, il s'envole vers les jungles inextricables et mystérieuses, vers tous ces vieux palais où se trouvent des pierres secrètes pleines de trésors. Il se nourrit uniquement avec des diamants. Il est là-bas, à cette heure-ci. Des diamants? Oh, je voudrais bien voir cet oiseau. Le voilà qui revient. Et à son retour, il me pond toujours deux œufs. Deux œufs chaque jour? Plus que ça, car il effectue plusieurs voyages chaque jour. Deux œufs, un petit oiseau dans l'un et des diamants dans l'autre. Dans celui-ci se trouvent les diamants. Enfin, je l'espère. Il faut absolument que j'aie cet oiseau. Il me le faut. En avant, Rocky. Allons revêtir un déguisement. Qu'est-ce que je dois faire quand j'aurai rejoint Félix, hein, patron? Fais comme si tu étais une maman oiseau et moi ton mignon petit oisillon. Cours, dépêche-toi! Oh! Allez vite près du bon feu! Séchez-vous, allez, réchauffez-vous! Dans une situation qui devient insupportable. Je commence à avoir trop chaud. Le professeur est Rocky la brute. Bandit, vous êtes sorti d'ici tout de suite. Ceci ne doit pas.
pas être ouvert avant Noël. Ceci ne doit pas être ouvert avant Noël. Félix, je t'ai mis là-dedans parce que tu veux toujours te mêler de nos affaires. Vous n'êtes qu'un fureur. Vous essayez de me voler les résultats de toutes mes expériences sur l'oiseau à bijoux. Laissez-moi sortir d'ici. Félix, ce que je veux te prendre, c'est ce fameux oiseau à bijoux qui pond des œufs renfermant des diamants. Cet oiseau n'est pas ici. Il est en vacances dans la jungle. Débarrasse-toi de lui, Rocky. Nous avons beaucoup à faire. Par ici, la sortie. Et qui est l'imbécile qui a acheté ces oiseaux bizarres? C'est cet oiseau-là que je veux. C'est l'extraordinaire oiseau à bijoux. Il pénètre dans les pièces où sont cachés les trésors dans les vieux palais. Et il se nourrit uniquement de diamants. Mais pourquoi l'oiseau à bijoux n'est-il pas de retour? Vas-y, continue! Ah, le voilà, ce fameux volatile. Maintenant, il va me pondre deux gros œufs. Et il n'est pas prêt de repartir en voyage dans la jungle. Les vacances sont finies. Attention, Rocky. Tiens-moi cette cage. Et voilà deux gros cocos. Nous allons ouvrir celui-là. Quelle merveille, quelle merveille! Mais de cette manière-là, ça va trop lentement. Il doit y avoir un moyen d'accélérer le processus. Amène l'oiseau ici, Rocky, et nous allons prendre la totalité des diamants. Se poser. Oh, pardon. Regardez un peu tous ces diamants, patron. Au secours! Les sables mouvants, les sables mouvants! Au secours, au secours! Au secours, les sables mouvants! Les meubles souvent, les sables mouvants! Je vais vous sortir de là! Il ne marche plus! Non, c'est mon sifflet supersonique pour convoquer les rapaces! Tenez, regardez! Ah, non, non! Emmenez-moi tous ces gens-là chez le shérif! Oh, mais les affaires me semblent en plein essor! Il est le professeur, il est le maître aussi.
général astronef. Sommes-nous enfin prêts à envahir la vieille planète Terre? Fin prêt, mon cher Porantem, à l'exception d'une chose, une seule. Et laquelle, peut-on savoir? Nous avons besoin de davantage de carburant pour fuser. Nos réserves ne nous permettent de ne faire que la moitié du chemin d'ici à la Terre. Un seul être au monde est capable de remédier à cette regrettable lacune et d'inventer un super carburant pour fusée. Et qui est cette personne? Un jeune homme de la planète Terre, un jeune savant appelé Petit Biquet. Petit Biquet? Exactement. Pointez votre détecto-explorateur sur la planète Terre, général. Bien. Plus près, maintenant. Il faut voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une bien jolie soucoupe volante que tu as là, Petit Biquet. Bien jolie. Merci, merci, Monsieur Félix. Ah, et as-tu réussi à inventer ce fameux super carburant pour fusée? Oui, c'est fait, Monsieur Félix. J'ai la formule bien gravée dans ma petite biquette de tête. Avez-vous bien entendu ce qu'il a dit, général? Oui. Je viens d'avoir une idée. Le service de liaison interplanétaire. Au secours, au secours! Je suis prisonnière sur la planète Mars! Au secours, je vais mourir! Au secours! Oh, c'est une demoiselle en détresse, sûrement, Monsieur Félix. Il faut aller lui prêter aide et assistance. Je vois d'ici la planète Mars, Monsieur Félix. Regardez, regardez toutes ces fusées, Monsieur Félix. C'est un piège! Faisons demi-tour! Ils nous ont eu. Oh, si je m'attendais à retrouver cette vieille connaissance! Puisque nous sommes là, Monsieur Forantem, que puis-je faire pour vous? Vous détenez une formule pour la fabrication de supercarburant pour fusée. Fabriquez-moi tout de suite. Et si je refuse d'obtempérer? Dans ce cas, le général astronef se chargera de vous convaincre, Monsieur Petit Biquet. Oulala, mon Dieu! C'est ce qu'il dit, Petit Biquet! Ses arguments sont sans appel! Et quant à vous, Félix, vous passerez en cour martial. Mettez-le aux arrêts, général! Alors, Thérien, je t'écoute. As-tu des volontés dernières? Oui, j'en ai. Et pourquoi ce régiment de fusées, général? Ce sont nos unités de fusées de choc. Nous allons nous emparer de la Terre. Vous emparer de la Terre? Mais quand? Dès que Petit Biquet aura fabriqué suffisamment de carburant à fusée, nos réserves ne nous permettent de ne faire que la moitié du chemin. Nous y voilà donc! Voilà la raison pour laquelle il voulait tant Petit Biquet. Général, quelles seront vos fonctions à vous lorsque vous serez sur la Terre? Je serai président, voyons, cela va de soi. De quel pays? Duquel? Mais de tous les pays. Alors il faudra que vous appreniez la danse du mât du mois de mai. La danse du mât du mois de mai? C'est la danse que tous les présidents doivent exécuter lors de leur investiture. Montre-moi. Je ne demande que ça, mais lâchez-moi d'abord. Bon, et maintenant en position sur la pointe des pieds. Comme ceci, Félix? Oui, comme ceci. Bon, à présent, donnez-moi votre main, général. Comment Petit Biquet se débrouille avec la fabrication de son super carburant sonique. Le temps commence à presser. Je vais lui donner un coup de fil. Allô, oui, Monsieur le Forantem. Oh, il ne manque plus qu'un seul ingrédient, après quoi vous pourrez envoyer la première fusée. J'en ai encore pour longtemps avec cette danse du mort du mois de mai. Encore un pas à prendre, général, et vous serez paré. Reviens, Thérien, reviens tout de suite me désentortiller!
Vite, droit sur notre soucoupe volante. Immédiatement au chantage. Le contrôle nucléaire, je les aurai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On les a bien battés, dis donc, ces deux gros malins. Peut-être, mais j'ai l'impression, mon cher Félix, que nous sommes suivis. Ne désespérez pas, monsieur Félix. Jetez vite un second coup d'œil. Voilà les fusées qui font demi-tour et font cap sur Mars. Et leur carburant était tout juste bon pour planète de banlieue. Tête chauve, j'ai à vous parler. Je vais vous annoncer une grande nouvelle. Vous allez enfin avoir des cheveux sur vos têtes. Un explorateur m'a vendu ceci et cet explorateur a réussi à faire repousser ses propres cheveux. En voici la preuve. Avant et après. Au cœur même de la jungle redoutable pousse un végétal qui s'appelle le buisson chevelu. Vous n'avez qu'à manger les fruits de cette plante et vos cheveux repousseront. Il n'existe qu'une seule personne qui puisse nous rapporter le fameux buisson chevelu. C'est Félix l'Intrépide, le minet sans peur et sans reproche. Messieurs les chauves, je vous promets que vous aurez des cheveux. Hé, dites donc, patron, votre ami Félix a son portrait dans le journal. Pour des raisons peu honorables, sans doute, n'est-ce pas? Non, on raconte que Félix va gagner 50 000 dollars. Pour quelle raison? Félix va partir dans la jungle. La société des têtes chauves lui versera la somme de 50 000 dollars pour lui ramener les fruits d'une plante exotique et rare. 50 000 dollars pour des fruits? Oui, les fruits exotiques ont le don de faire repousser les cheveux. Repousser les cheveux, ces fruits font repousser les cheveux, c'est formidable. Oui, regardez, patron. On est en train de lui remettre une carte secrète. Il faut nous emparer de cette carte et trouver ces fameux fruits exotiques. Ne bouge pas, surtout, le voilà qui arrive. Vite, Rocky, ou nous allons le perdre de vue. C'est ce qu'on appelle voyager de façon originale, hein, patron? Oui, Rocky. Nous allons mettre Félix dans notre poche. Un tunnel droit devant. Attention, tiens bien notre alligator, il n'aime pas l'obscurité. Non. Oh, allons, n'aie pas peur, mon crocodile. Oh, quel idiot! Eh bien, la dernière fois que je voyage à bord d'un crocodile. Nous allons débarquer là, au milieu des caoutchoucs. Je dois traverser la forêt des caoutchoucs. Nous y sommes, c'est par là que Félix doit passer. Bien, il n'y a plus qu'à faire une entaille dans ces arbres pour en recueillir le caoutchouc. Vite, grimpons sur cet arbre, le voilà. Félix, es-tu trop englué pour pouvoir encore parler à tes vieux copains? Oh! Pauvre de moi, me voilà pris
moulant cette carte secrète qui conduit aux fameux fruits exotiques. Mais en quoi ça peut vous intéresser? Ces fruits font repousser les cheveux des chauves. Tous les cheveux de tous les chauves. Mais comment diable savez-vous ça? Nous l'avons lu dans le journal, pauvre naïf. Et après? La société des crânes chauves m'a engagé pour trouver ces fameux fruits exotiques. Nous reprenons ça à notre compte. En route, Rocky. Tu as tout le temps de faire la sieste. Et comment vais-je me sortir de là? Je suis collée de partout. Impossible de faire un jet. Et ça se met à durcir. Nous allons prendre un raccourci à travers ces marais. Qu'est-ce que c'est? Un hippopotame! Je vous en supplie, patron, ne prenons plus jamais de raccourcis. D'accord, Rocky. Tout va changer, je sens que cette gomme est devenue élastique. Et maintenant, suis au malfaiteur! Il a repris la carte. Ne le laisse pas filer, surtout. Alors, cette fameuse plante qui fait repousser les cheveux ne devrait pas se trouver très loin d'ici. Ah, la voilà enfin. Le célèbre arbre chevelu, spécimen unique dans le monde entier. Défense absolue de toucher. Oh, et maintenant, il me faut une pelle pour le sortir de terre. C'est curieux, je ne vois Félix nulle part. Il s'est sans doute échappé. Oh, regardez, patron. La fameuse plante. C'est bien elle. Vous voici, végétal capilloculteur. Vous me ferez pousser des dollars par milliers. Moi, je commence à avoir très faim. Eh ben, tu n'as qu'à te trouver quelques fruits sauvages. Eh, voilà des petites prunes, patron. Prends-les-en donc. Elles sont rudement bonnes, ces prunes sauvages, hein, patron? Délicieuse. Quand j'ai une drôle d'impression. Tu as une drôle de mine aussi. Ben, regardez-vous vous-même. Est-ce que j'ai l'air aussi bizarre que toi? Bien pire que moi. Tu ressembles à un chien de berger. Et vous, vous ressemblez à un saule pleureur. Qu'est-ce qu'on va faire? Je cours chez le coiffeur tout de suite. Et moi aussi. Pour le plus merveilleux.
c'est Félix le chat. Il est là pour vous. Eh bien, général, vos unités de fusée de choc me semblent fin prêtes. Oui, mon cher Forentem. Dès que nous aurons ce super carburant pour nos engins, la Terre est à nous. Oui, sans doute, mais il nous faut d'abord capturer l'inventeur de ce super carburant si extraordinaire. J'ai nommé Petit Biquet. Moi, général en chef des forces martiennes, je vais m'occuper personnellement du transfert de ce garçon sur la planète Mars. Parfait. Est-ce que vous allez vous déguiser? Je n'y manquerai pas, mon cher Forentem. Ça suffit maintenant, petit Biquet. Assez d'entraînement pour la journée. Très bien, monsieur Félix, c'est vous qui en décidez. Je crois qu'il y a quelqu'un à la porte. Entrez. Que désirez-vous? En quoi puis-je vous être utile? Je suis navré de vous déranger. Je cherche le professeur. Peut-être pourriez-vous me renseigner. Il est sorti, monsieur. Je regrette. Ça ne fait rien, je vais l'attendre. Asseyez-vous là, monsieur, et mettez-vous à l'aise. Merci. Hé! Qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est un pendule, mon chaton. C'est un jouet charmant et très amusant. Regardez bien, jeunes gens. Vous pouvez voir, vous pouvez entendre, mais vous êtes incapable de bouger. Nous sommes vraiment très intelligents, nous martiens, non? Et à présent, à moi, mon petit téléporteur. Prochain arrêt, Mars! Composition de ton fameux super carburant spécial pour fusée. Pas un mot ne passera mes lèvres. C'est ce que nous allons voir, mon ami. Qu'est-ce que c'est que ça? Un autre poisson pris à notre infaillible hameçon. Oh, c'est monsieur Félix qui vient à mon secours. Général, attachez solidement cet intrus à l'arbre qui tue. L'attacher à l'arbre qui tue? Tu n'as pas l'impression de m'avoir déjà vu? Tout n'est pas perdu. Courage, monsieur Félix. Venir mourir si loin de sa terre patrie. Je suis martien. Vous? Comment vous? Vous êtes martien? Mais qu'est donc le général Astronef alors? Lui n'est pas un martien. C'est un échappé d'une baraque foraine qui singe les martiens dans des buts inavouables. Ah, un forain qui singe un martien pour tourmenter son prochain? Mais pourtant vous êtes un arbre! Erreur, je suis déguisé. Attention, maintenant je vais te montrer une voie souterraine. Tiens, regarde. C'est un tunnel qui te mènera au puits sans fond et à la liberté. Allez, va. Vite, entre. Merci, merci, monsieur le martien. Bonne chance. Sois raisonnable, mon petit Biquet. Donne-moi la formule de ton carburant. Je fais de toi le chef des laboratoires de recherche pour toute la Terre.
que tu pourras cumuler avec celui de chef de la défense passive. Bon, j'accepte, messieurs, mais à une condition. Oui, laquelle? Que vous libériez Félix immédiatement. Que vous fassiez ensuite de lui mon assistant. Bon, c'est d'accord. Général, ramenez-nous Félix le chat. Oui, voilà, j'y cours. Bonne nouvelle, homme de terre. Bonne nouvelle, j'ai décidé de te... Oh! Florentem, Félix s'est enfui. Enfui? Aucune importance. Cet être-là réapparaît toujours. Alors, petit Biquet, que décidons-nous? C'est une condition dont rien ne me fera démordre. Pas de Félix, pas de formule. Qu'est-ce que j'entends? Dois-je l'étrangler tout de suite pour en finir avec ce traître? Non. Balancez-le au-dessus du puits sans fond. Ce sera beaucoup mieux. Jusqu'à ce qu'il parle. La formule ou le puits? Formule, jamais. Oh, il m'a échappé. Monsieur Félix, comment avez-vous fait votre compte? Suis-moi, ton amant. Quoi? Vous avez laissé tomber Petit Biquet dans le puits sans fond, lequel est à sec par-dessus le marché? Je vous demande pardon. J'ai des mains de beurre, Florentin. Et une cervelle de gruyère, idiot. Je vous dégrade et vous remets au rang de simple soldat. Vous serez le corvée de nettoyage ce soir. Il s'agit maintenant d'atteindre notre soucoupe. Au revoir, monsieur Florentin. Je vous en vaudrai ça. Mon dernier mot n'est pas dit. Au revoir et merci, monsieur Martien. Oh, pauvre général. Grandeur et décadence. Le voilà de corvée. Allô, Félix, il faut que vous veniez à mon secours. Que se passe-t-il, Raja? On me vole mes éléphants, Félix, les uns après les autres. Chaque nuit, ils disparaissent, Félix, tous mes pauvres éléphants. Oh, c'est abominable, Félix, encore un qu'on m'enlève. Vite, Félix, au secours, Félix. Bien, patron. Les éléphants du Raja sont juste en dessous. Parfait. Tout marche comme prévu. Très bien. En avant la manœuvre. 1, 2, 3, hisse. Doucement. Le contact est mis, ça y est. Vous pouvez y aller, actionner la pompe et hisser ce gros bateau en vitesse. Par là encore, encore un qui s'envole. Et voilà un autre éléphant pour enrichir notre petite collection. Je crois que j'approche du but. J'aperçois là-bas le palais du Raja. Un peu plus et je passe la station. Félix, mon sauveur, ma providence, mon frère. C'est affreux, Félix, il était temps que tu arrives. La nuit dernière, on m'a volé le plus beau, le champion du concours de la plus belle trompe. Ne vous faites pas de soucis, Raja. J'ai mon plan et ce soir, vous aurez récupéré vos précieux éléphants. Grâce à ça, je compte les berner suffisamment longtemps pour mener à bien ma mission. Félix, prépare-toi, mon ami. Je les entends venir. Thank you.
patron. Allez, hissez-le. Doucement, doucement. Oui, il est lourd, celui-là, ce sera la pièce maîtresse de notre collection. Voilà Félix envolé aussi. J'espère qu'il ne se trompe pas et vous ramènera aux mes éléphants. Cet éléphant me semble à moi, Rock, vraiment très étrange. Patron, j'ai peur qu'on ait mis le grappin sur un éléphant malade. Nous arrivons juste au-dessus de notre camp. Je m'occuperai de la question une fois que nous aurons atterri. Ça y est, nous avons atterri. Maintenant, voyons un peu cet éléphant. Ça, mais ça n'a jamais été un vrai éléphant. Il est faux de la trompe à la queue. Rock, la grue, c'est le professeur, je vous y prends. Vous êtes deux femmes escrocs. Non, non, ce n'est pas possible, j'ose à peine en croire mes yeux. Félix! Au nom de la loi, voleur d'éléphants du Raja, je vous arrête. Occupe-toi de lui, Rocky. Allons, viens ici, moustique. Pendons-le, Rocky, haut et court. Ce n'est pas à chat-perché qu'on va jouer, mon mignon, c'est à chat pendu. Alors viens, Rocky. Et si tu tombes, fais attention de ne pas écraser les éléphants. Ces pauvres petites bêtes. La première chose que je ferai quand je serai libéré sera de vous mettre en prison. Jumbo! Est-ce que tu m'entends, Jumbo? Délivre-moi, Jumbo! Et je te ramènerai chez ton bon maître, le Raja de Ragunia. Je te félicite. C'est absolument magnifique. Mais où sont les voleurs? Qu'en as-tu fait? Ils seront là plus tard, Raja. Dans combien de temps pourrons-nous repartir, patron? Sitôt que j'aurai terminé cette petite réparation. Voilà, le mal est réparé. Nous pouvons foncer. Et droit sur les éléphants. Plus bas, patron. Plus bas, la ventouse. On dirait qu'il y a du sport là-haut. Oui, il y a comme qui dirait de la bagarre dans la ruche. Les voleurs, les voleurs! Garde, amenez-les, nous. Amenez-moi les prisonniers. C'est des services rapides, ça, hein? Les coupables, mon maître, attendent votre bon plaisir. Que chacun d'eux lave chaque éléphant deux fois. Ah, Félix, tu es plus traître et plus trompeur qu'eux. Il est plus fou.
C'est Félix le chat, il est la poule. Il y a le savant et le professeur et le maître cylindre aussi. Vous venez donc tromper votre ennui, oh oui. C'est Félix le chat, il est là pour vous. C'est Félix le chat, il est là pour vous. Allô ? Félix le chat, détective privé. Ici la Société africaine de la fabrication des diamants. On nous vole tous nos beaux diamants. Le chat, nous avons besoin de vous. Prenez le prochain avion. Je suis absolument désolé, mais il n'y a plus d'avion pour l'Afrique aujourd'hui. Oh non! Il faut absolument que je parte, il faut absolument que je parte. Oh. C'est lui, mais j'ai pensé que très vite. Félix, à la tour de contrôle, dégagez la piste, dégagez la piste. Attention, attention, Félix, le chat va décoller. Professeur, surtout quand on pêche des diamants. Attention à la grille électrifiée. Oui, patron. Oh, regardez-moi ces fabuleux diamants. Oh, que c'est beau un diamant. Doucement. Qu'est-ce qu'il fait là, cet or? Bon, on s'en moque de l'or. Ça y est, ça, c'est l'Afrique. Attention à l'atterrissage. Ça y est, c'est fait. Professeur! Désolé, mais je vous arrête. Félix. Hop, arrête-le. Comme si c'était fait. Non, non, mais moi, c'est moi qui vous arrête. Cette fois, Félix, c'est terminé. Vous ne vous en sortirez jamais. Vous ne pouvez pas voler toute cette mine de diamants impunément. Quoi, comment? Qui parle de voler? Nous, on ne fait que les pêcher. Oh, vous me faites rire, patron. Eh ben, je vous arrête quand même. Allez, dépêchons. On n'a pas que ça à faire, nous. Maintenant, on travaille. Dépêche-toi. Ça, c'est le genre de travail qui me plaît bien. Je vais peut-être m'y habituer. Patron, vous ne croyez pas qu'il faut se dépêcher?
touche pas à la clôture. Elle est électrifiée. 10 000 volts. 10 000 volts, entre nous, le courant passe. Dépêche-toi. Oh, superbe! Je savais que ça marcherait. J'en connais qui vont le regretter de s'être attaqué à Félix le chat. Ouais, et le regret s'arrête pour tout de suite. Youpi! Et voilà, je me suis libérée. C'est dommage pour Félix. Oui, patron, mais on peut bien dire qu'il l'a pas volé. Je vais leur faire une petite frayeur. Hé, hey, mais, je trouve. Ne touche pas à la clôture. C'est passé, patron. Ne m'oblige pas à répondre. Je viens d'inventer le plus fort robot du monde. Tu as inventé le plus fort robot du monde? Extraordinaire! J'arrive tout de suite pour voir ce chef-d'œuvre. Eh bien, monsieur l'inventeur, où est ce robot? Là, vous voyez? Quoi? C'est un de vieux objets bon pour le chiffonnier? Pas tout à fait, mon cher Félix. Regardez attentivement. Bravo, en avant, marche! Pour un vrai robot, pas d'erreur, c'est un vrai robot! Mais tu as dit le plus fort du monde tout à l'heure! C'est exact, c'est exactement ce qu'il est! Vous voyez cette grosse pierre? Attrape! Mets-la en miettes, robot! La mettre en miettes? Mais c'est de la vraie pierre! Et c'est dur, la pierre! Eh ben! Il l'a littéralement pulvérisé. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Extraordinaire! Sensationnel! Ce robot est un Hercule! Et qu'as-tu l'intention de lui faire faire? J'ai pas encore pris de décision à ce sujet. Il faut que j'attende pour ça d'être sûr qu'il obéisse à toutes mes instructions. Et comment pourras-tu le savoir? Oh, rien de plus facile. C'est de ce bouton que dépend son action. Lorsque j'appuie dessus, mon robot ne peut plus rien faire. Réaction étrange, ce bouton n'a pas l'air de fonctionner très bien. Es-tu bien sûr au moins, petit Biquet, qu'il n'est pas dangereux? N'ayez aucune inquiétude là-dessus, c'est moi qui commande à ses moindres mouvements. Nous allons voir ce qu'il y a qui ne marche pas. De tous nos ennuis. Un fil coupé.
curieux. On dirait ainsi méprendre le bruit des pas du robot. C'est pourtant impossible. Il ne peut pas bouger avant que je n'aie réparé ce fil. Oh! Regarde! Le robot! Robot, retourne d'où tu viens. Peut-être n'entend-il pas très bien? J'ai dit, retourne d'où tu viens. Je n'aime bien sa façon de rire, je la trouve inquiétante. Mais il ne peut pas nous faire de mal, il est très doux. Filons le plus vite possible. Entrons là, monsieur Félix. Cette porte est en acier massif, je vais la fermer à clé pour plus de sécurité. Monsieur Félix, c'était une idée géniale. Ce robot était de loin le plus fort du monde. J'aurais pas cru que tu te sois trompé. Petit Mickey, tu es si gentil que je ne t'en veux pas. D'ailleurs, j'ai une autre idée. Tu es prêt? Je n'en avais jamais complètement perdu le contrôle.